Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Fontaine of Youth. Bon, on est sur la fin. On est sur la fin de cette série d'épisodes jusqu'à l'arrivée du prochain DLC qui dévoilera la dernière partie de la carte. Mais pour le moment, on a bientôt terminé cette période du jeu. Bon. Alors, j'ai beaucoup avancé aussi de mon côté. Alors déjà, j'ai commencé par faire une petite passerelle ici, qu'on va d'ailleurs aménager tout de suite. Hop, une petite passerelle ici, où j'ai envie de mettre ça. Hop, pas déplacé. J'ai pas testé, alors je vais voir si ça va aller. Ouais, bien sûr que ça va. Est-ce que je pourrais le mettre comme ça par contre? Si je le mets comme ça par exemple. Oh, c'est impeccable. Impeccable. Il me restera juste à agrandir peut-être de 1 pour en mettre un deuxième. Ça serait pas mal comme ça. Ok, bon ça c'est bien. Je pourrais peut-être même en mettre un de plus ici. Ah, parce que là j'ai les escaliers. Pour mettre ça. Qui pour l'instant va traîner ici. Bon, il y a des choses qui vont traîner un petit peu. Pour le moment, j'ai ramené les chariots, comme vous pouvez voir. J'ai ramené un petit peu de tout. J'ai ramené ça pour le bois. Alors, pour le bois, c'est pareil. Il va falloir qu'on voit ça. Là, on va essayer d'aménager un petit peu, parce que vous voyez, c'est un peu le bordel. Alors. On va déplacer là. On va mettre une caisse ici, là, ouais, peu importe, là, hop, alors ça c'est très bien pour la nourriture aussi, j'ai ramené l'autre, je vous montre, celle-ci, dans laquelle je mets la nourriture, mais celle-là est mieux, normalement. Et les autres coffres, les nouveaux coffres aussi sont très très bien. Ils sont même carrément top. Ça, je vais le mettre ici. Hop, voilà, parfait. Celui-là, est-ce que... Ouais, nickel. J'ai la place de le mettre là. Parfait. Moi, je les remplirai de mon côté, hein, parce qu'après... C'est vrai que la plupart des choses sont encore de l'autre côté, à l'autre base. Il va falloir tout ramener. Ce qui n'est pas gagné. Hop, voilà. Et ça. Ça. Je sais pas où je vais le mettre ça. Moi, je verrai bien là. Ah ouais, mais non, parce que je vais mettre des trucs dessus. Peut-être ici. Ah ouais, ici c'est pas mal. Hop. Voilà. Là, il me reste un coffre. Là, j'ai tout ça à mettre. Tout ça, c'est du bordel. Hop. Déplacer et normalement alors vous voyez je me posais une question de mon côté
Hop, ça. Je vais peut-être le mettre à l'intérieur. On va tester. Faut qu'on range tout par là aussi. Ouais, c'est pas gênant. Très bien même, je dirais. Bon, par contre... Ouais, faut être plus près en fait. Non. Je comprends pas toujours... Comme ça. Comme ça. Ok, si on peut le mettre comme ça, c'est impeccable. Déplacer. Ça, je peux le mettre comme ça. Parfait. Donc ça, c'est fait. On va ranger ça maintenant. Ça. Ça irait comme ça. Je vais remettre ça là. Ok. Ça à côté. Comme ça. Et ça, si ça passait, ça serait excellent. Et je crois que ça va passer. C'est excellent. Voilà. J'aurai la place de mettre un coffre ici, par exemple. Ça. Ça ici c'est bien. Ça si je pouvais les mettre voilà où ils sont c'est bien. Et peut-être plus ici. Comme ça. Parfait. Alors, on est bien là, c'est bien rangé. Il y a la place de mettre des coffres. Impeccable. Voilà, on a fait de la place, c'est top. Le garde-manger. Qui sera remplacé après par des coffres plus gros. Pour l'instant, je laisse celui-là. Mais par exemple, si on regarde ici... celui-ci par exemple est vraiment pas mal. Ça quintuple la durée de conservation des animaux, donc ouais celui-là est top. Mais c'est deux lingots de fer, planche ça va, donc ouais au final c'est ce que je vais faire. Il n'y a pas pour l'instant, par contre est-ce que je peux, non on peut pas les améliorer. Ok. Oh là là, mais la pluie, c'est terrible, là. Ça. Je peux en faire 5. Parfait. Il ne reste que 3 jours. J'étais à peu près à 25 jours. Ah oui, ça me rassure. 22 jours. Ah oui. Si je suis retombé à 3 jours, là je ne vais jamais y arriver. Alors. Et ranger ça là-bas. Il me reste encore des éléments à ranger évidemment comme ça.
l'atelier de menuiserie. Il y a plein de petites choses comme ça, hein. C'est des détails, mais... Ça, je peux mettre ça là. Ouais, l'atelier de menuiserie, je sais pas où je vais le mettre. Après, je peux le mettre derrière, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a la place. Il y a même largement la place. Déplacer, on va mettre ça là-bas. Oh, il y a carrément la place. Hein. Alors pourquoi je me plierais. Hop, par contre, je vais chercher. Hop, on va faire un petit peu de déco aussi. Déplacer. Et c'est pour stocker le bois. Car à mon avis, si je mets ça comme ça, c'est mieux peut-être. Voilà. Ok, alors niveau déco, j'ai des petits trucs à récupérer dans le bateau. Ok, tempête, j'ai l'impression que c'est la pire que j'ai eue dans le jeu. Bon, on arrive sur le soir, il va nous rester des coffres à aller chercher. Pardon. Je sais pas ce que je suis en train de dire là, ouais, il me reste des coffres à aller chercher et ensuite partir voir le chaman pour lui donner la grenouille qui est dans le coffre par là, je crois, je sais plus exactement ici. Donc ça peut être intéressant. Alors j'ai 100 mètres, ça. Et ça. Et il me semble que j'en avais d'autres, hein, et je sais pas où ils sont. J'en ai un là. C'est tout. C'est bizarre ça quand même, ça me semble que j'en avais des livres. Donc c'est pas grave. Allez. En tout cas, on va pas manquer d'eau. Hein. Ce qui est sympa, c'est l'éclairage. Il faudra que j'améliore évidemment, que j'en rajoute. Non, pas ça. Faut que je prenne ça parce que sinon je vais pas pouvoir. Alors celui-là. Merci. Oh, il est énorme. Ah non, il est pas si énorme que ça. Il est pas si énorme que ça, mais il est pas mal. Je le mettrais bien ici. Mais... Ça va faire une chambre plutôt sympa comme ça. Yes. Là. Donc comme ça. Hop. Ah ouais, sympa. C'est pas aligné, c'est... ouais, c'est bien comme ça. Alors, c'est là. On va la placer. Où est-ce qu'on pourrait... Ah bah ça fait du bien quand ça s'arrête, hein, quand même. On pourrait la mettre ici, tiens. Je trouve que ça va bien. Hop. Ça. On pourrait mettre ça là.
un deuxième félin. Hop, pas mal. Là, on a un canidé. Un deuxième. Sympa, ça. Celui-là aussi, il est pas mal. Ah, je peux pas le mettre là, c'est dommage. Ici peut-être. Et le dernier. Un peu plus petit. On peut faire un peu de déco par là. Hop. Parfait. Notre petite maison ressemble de plus en plus à quelque chose de sympa. Où est-ce que j'avais des... Ça. Voilà. Ça que je voulais. Oh, non, il y a encore des petits trucs que je peux construire. Genre le petit tabouret. Hop. Que je peux mettre là, par exemple. Hop, c'est sympa. Y a autre chose de constructible. Il y a une chaise. Que je pourrais placer par exemple. Là. Parfait, ça fait de la déco. Bon, et ben c'est bien, on a un bon espace, on a un très très bon espace même, je dirais. Donc on est plutôt pas mal. On doit être le soir, on va aller quand même boire un petit coup là-bas. Hop, et après on va aller... Ah, c'est parfait, ça. Alors, une bonne nuit de sommeil. Une bonne nuit de sommeil et... Hop, allez, on va aller voir le chaman. Mon sac à dos. Ouais, ça va, il y a encore de la durabilité. Je le réparerai. Au pire, s'il y a du cuir sur le bateau, peut-être que je vais pouvoir. Donc là, c'est bien, on a aménagé la base. Donc on est plutôt pas mal sur ce côté-là. Je pense qu'il y a encore des petites choses à faire, mais bon. Ah, j'avais le croco aussi à placer. Ouais, j'y pense. Peau séchée. Mince. Ah oui, il y a les tapis aussi à placer. Ah oui. C'est pas avec ça par contre que je fais. C'est du cuir normalement. Ah, c'est morceau de cuir. Hop. Allez. On y va. On va aller voir le chaman. Super maniable quand même. Hein. Alors le chaman il est où déjà? Je sais plus.
Ici, je crois, l'île des crocos. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. C'est pas celle-là. C'est la prochaine. Et d'ailleurs, je vais essayer quelque chose. Ah, attendez. On va faire ça. Ça va être rapide. Je vais monter à la vigie. Il fait beau. Hop, je vais cartographier ici. Ah bah je peux pas. Comme ça c'est réglé. Je peux pas cartographier. Bon bah tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Potentiellement j'aurais peut-être pu découvrir quelque chose, mais non. Allez, on est reparti. On va sur l'île complètement à l'autre bout. Mince, on avait une mer bien bleue. Ah ça y est, ça se couvre. Hein. Qu'on va pas avoir encore de la pluie. Bien que je pense à prendre la grenouille. Non mais je me connais. Hein. Je sais que j'y vais pour la grenouille, mais j'ai oublié la grenouille. Ok, ça va être là-bas. Et on y va tranquille. Attention, on braque. Oh. Ça me fait peur, ça. Est-ce qu'il peut se retourner le bateau? J'essaierai pas, hein, perso. Mais quand je vois ça, je me dis qu'il y a moyen que le bateau se retourne. Et j'ai pas vraiment envie d'essayer. Et la grenouille, j'ai failli l'oublier. Elle est où? Elle est cachée. C'est une blague. Elle est là. Oui, elle a changé de place. Elle était pas à cet endroit-là. Ah, et le chaman. Ferme la porte. Yo. Brise tempête, pas de problème. Wants me to bring him all the pieces of the map of the islands where his civilization lived. If I deliver this to him, he will share the blueprints of the legendary Stormbreaker with me. Legend says that the natives could sail on the Stormbreaker to Bimini Island, where they visited the Fountain of Youth. D'accord. Sympa. Brise tempête. Oh, j'en ai 19, il en faut 20. C'est ça? J. Rassembler 20 morceaux de la carte indigène. J'en ai 19.
C'est bien ça? C'est une blague? Est-ce que j'en aurais loupé quelque part? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas, hein. Je crois avoir tout trouvé. En tout cas, sur l'île ici, ouais, c'est sûr, j'ai tout trouvé. Hein. Elles sont... Normalement, elles sont... facilement... identifiables. Là, on a du fer. Ah oui, c'est vrai. C'est ici que le fer se trouve. On peut venir ici, au pire, pour cartographier. Après, on a des trésors à trouver un peu partout. Hop. Ah, il a fallu que je touche. Ah ! Mais arrête, 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 arrête ! Mais il part en cacahuète, mon truc. Ok. Alors. Après, il va falloir qu'on trouve les coffres. C'est par ici que je peux cartographier. Pourquoi pas? Enfin, je crois tout du moins. Ça me fait peur monter à ça. Hein? Mais c'est pas vrai. Vous pouvez faire un truc plus précis pour monter? Pourquoi il veut pas monter là? Je comprends pas. Et puis lui, il a pas de mal à monter. Ah, si on se met comme ça, c'est plus simple. J'ai pas l'impression. Oh, mais c'est quoi le délire, là? Bon, je vais pas insister. Je vais pas insister parce qu'en fait, j'ai pas envie d'insister. Hop, allez. Tu veux pas monter, tu montes pas. Je sais pas pourquoi il veut pas monter. D'habitude, il n'y a pas de problème. Bon, bref, peu importe. J'insisterai pas. Ici. On a un trésor là. Donc ça doit correspondre à cette île là. Donc ça doit être par là. Derrière ce bloc de rocher. Un peu plus par là même. Oh bon, on l'a dépassé. Oh purée. Ça serait là? Serait quelque part par là. D'accord, c'est là. Pantalon en cuir. Parfait, ça. Ensuite, où est-ce que j'ai d'autres trésors? Là. Là, ici, là, juste là. Je continue à contourner la carte.
continue un peu par là. Là, je suis dessus, là. Là, je l'ai même dépassé. Voilà. Ça serait par là. Ok, juste là. Il y a peut-être plus qu'un trésor. Pourquoi pas. C'est autre chose. Non, j'ai pas l'impression. Non. J'ai pas l'impression. Non, là, c'est non, il n'y a rien d'autre. Oh, tu m'as loupé. Ok. C'est intéressant quand même. Ensuite, le prochain trésor. Les prochains trésors, je sais plus. Non, ça c'est... Ah bah, je crois qu'on a tout trouvé. Bah ouais. Non, il en reste deux. Il en reste deux. Près de l'île. Du chaman. C'est pas très loin. Hein. Vu l'échelle, c'est tout près. Et du coup, on arrêtera là. Alors, il y a un par là. Mince. Ah, que j'ai encore dépassé. Hop. Je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Juste en bas. Ouais, il est là. C'est vrai que c'est pas trop compliqué à trouver, hein. Alors l'épave n'est pas très compliquée à trouver. Mince, je remonte à la surface. J'ai dû prendre le masque de plongée. Ouais, c'est bon, pour celui-ci ça va aller. Hein. C'est un petit peu plus difficile à trouver, on dirait. Ou alors... Je m'en moque. Je vais aller chercher le masque de plongée. Beaucoup plus simple. Le masque de plongée.
Où es-tu? Là. Et que je pense aussi à me faire la ceinture améliorée. Ça serait pas mal. Il y a un passage là. Comment je fais pour y aller par contre? Ah! Avec le trou est pas assez gros. Hein. Ah, il est là. Ah, il est bien caché celui-là. Ok, cool. Il n'y a rien là. Non, il n'y a rien. Où mon bateau? Il est là. Hop. Et le dernier qui se trouve un peu plus par là-bas. Juste par là. Ah bah ça fait du bien quand il arrête de pleuvoir. Bon, je vais plonger ici. Hein. À mon avis, je devrais trouver facilement. Ou pas. Ah bah ou pas. Si là-bas. Là. Ah, c'est bien ça. Et parfait. Et on va pouvoir rentrer à la base. Qui se trouve du coup de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave, on a trouvé les trésors qui traînaient un peu dans le coin. C'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on a terminé ce DLC. Oh bah j'ai touché quelque chose, tiens. 211 de dégâts, purée. On a terminé ce DLC, moi je vais peut-être jouer encore un tout petit peu de mon côté, histoire de continuer à améliorer la base et à l'aménager. Et puis on va attendre impatiemment la suite et peut-être la fin. C'est-à-dire la découverte de la cinquième île, ou quatrième, je ne sais pas trop comment l'exprimer. On va dire que c'est là, c'est celle où on arrive. Après, il y a ça qui est découvert, ça, ça, ça. Donc, la cinquième. Donc, c'est cette zone-là. Et ça sera la dernière zone. Et en l'occurrence, la fin du jeu. Donc, on verra bien. On attendra ça. En attendant, moi, je vais travailler un petit peu sur la base.
Je vais continuer à l'améliorer, à l'aménager. Avoir une base sympa. Peut-être farmer un petit peu. Hop. Le quai, je sais pas, le quai, je suis un peu désespéré par le quai. Je vais essayer, mais bon. A fortiori, j'ai pas vraiment besoin de quai. Quand on voit, j'ai pas de problème. Donc ouais, je sais pas. On verra bien. Donc ouais, améliorer cette base. Surtout en éclairage. Ah oui, en éclairage, ce serait pas mal. Mais mon petit jardin, mettre peut-être une parcelle en plus ici pour pouvoir mettre un deuxième jardin. Au niveau de l'eau là-bas, ça suffit. C'est pareil, je pourrais peut-être y placer ça. Ça serait pas mal. Et j'ai plein de choses à ramener de l'autre côté, de l'autre base. Donc, ouais. Ah non, je les ai pas là. Mince. Ah non, faut les traiter avant. Ouais. Ça, je ne l'ai pas rempli. Il faudrait que je le remplisse. Il y a les autres aussi que je peux faire un peu plus grand. Et ça, je sais pas si je vais les laisser là. À voir. Bref. Bref. J'aime bien ce petit coin. Il est sympa. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager ou même me laisser un commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous donc bah, pour le prochain DLC. Quand est-ce qu'il arrivera, j'en sais rien. Mais j'essaierai de ne pas mettre trop de temps avant de m'y remettre. Je jouerai encore un petit peu de mon côté. Donc peut-être qu'il y aura du changement sur la prochaine vidéo. Mais bon, on verra ça. Bref, bah écoutez. Je vous donne rendez-vous pour le futur du jeu. Et en attendant, bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Un bon dimanche. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je me répète, oui, je sais. Bye bye.